6-2, 6-3. Je crois, François Djokovic, on peut dire qu'Anna Mandlíková est une future championne. Je crois, elle a tous ses coups, elle court très très bien et je pense qu'on la verra à l'œuvre contre Chris Evert-Loy en demi-finale. Elles ont déjà joué plusieurs fois et Chris Evert-Loy a bien eu du mal à la battre en 3-7 il n'y a pas longtemps au championnat d'Italie. Voilà Christian Guidet, et maintenant nous passons donc sur le cours central, Christian Guidet, Pierre Darmont, pour voir Connors jouer contre Gildemeister. Mais auparavant, nous voyons au ralenti la balle de match. À vous Christian sur le central pour Gildemeister. Merci Jean, merci Françoise. Un Gildemeister qui fait très bonne figure face à Connors puisque les deux hommes sont à égalité. Deux jeux partout dans le premier set. Et 0-30 sur le service de Connors. Un coup étonnant de Connors, je crois que c'est le seul sur le circuit à faire ce type de smash giflé. Voilà, trois jeux à deux, première manche. Nous allons donc suivre deux hommes qui ont deux personnalités. Il faut dire chacun leur personnalité, à la fois dans leur style de jeu et dans la vie. Peut-être conviendrait-il, Pierre Darmont, que vous nous parliez un petit peu de ce jeu curieux de Hans Gildemeister, coup droit et revers à deux mains. Oui, effectivement, c'est un des rares joueurs, alors que on revoit ici Hans Gildemeister en train de retourner. On a l'occasion justement de voir son jeu. Il joue à droite et à gauche, à deux mains, ce qui est assez exceptionnel. Ce type de jeu lui donne beaucoup de contrôle, car il joue sa balle tôt. Il arrive à la contrôler avec beaucoup de sécurité, alors qu'on le voit ici faire un lob. Et ce fameux smash giflé dont je vous parlais, où non seulement Connors a complètement décollé, mais très haut, il arrive à donner un coup de rein et une puissance remarquable. Je vous disais donc que Gildemeister est un joueur qui arrive à contrôler remarquablement la balle. Il a, je crois, deux petits problèmes. D'une part, quand il est très éloigné de la balle, le fait qu'il joue à deux mains lui rend le coup plus difficile, il a moins d'allonge. Et d'autre part, il a une tendance à jouer des balles courtes. Et ça, c'est la dernière chose à faire contre un joueur du type de
Connors. Moyennant quoi, Connors joue une partie difficile aujourd'hui car c'est un joueur solide qui se déplace très bien à droite et à gauche. Et il faudra que Connors soit excellent aujourd'hui pour dominer son adversaire. Jeu Hellmeister qui égalise 3 jeux partout dans la première manche. Surprenant tout de même ce Guildemeister, lui aussi gifle bien la balle, mais est-ce qu'il pourra tenir plusieurs sets à cette cadence-là? Ben là, il a remarquablement servi, ce qui n'est pas toujours le cas. Je crois que surtout, il se distingue par ce droit de gauche efficace et en général, surtout sa volée, mais un petit peu son service sont ses points faibles, alors que par contre, c'est un joueur qui retourne très bien et contre qui il est difficile de faire service volée. Tout de même, lorsqu'il est pris de court, au point de vue envergure, il joue la balle à une main. Hein. Oui, on vient de l'apercevoir sur cet échange, mais je dois dire que c'est une des premières fois que je lui ai vu faire ce coup à une main.
Franta. Égalité. Avantage connard. Un jeu très important et très décousu de part et d'autre. Quelques bons points, mais quelques fautes grossières. Meister qui mène par 4 jeux à 3. Et oui, Gildemeister a donc pris le service de Connors. Il avait d'abord eu une balle de 30-40 sur le service de Connors. Ensuite, ça avait fait 40 égalité. Puis là, il vient de faire un petit coup. Il faut dire qu'il a eu extraordinaire. Il a eu un très bon réflexe. Il est surtout bien resté là où il fallait. Mais sur cette action, on voit l'amorti qui va le mener au filet, une très très bonne amorti. Je dois dire qu'il a très bien anticipé, il est resté là où il fallait, alors que Connors pensait qu'il allait couvrir le terrain grand ouvert. Il est resté, il a eu un excellent réflexe, alors que ce n'est pas d'une manière générale un très bon volleyeur, mais là, il a fait ce qu'il fallait pour faire le break. Oui, enfin ce coup-là, il ne le fera pas souvent, car il a eu un peu de chance, c'est bien joué. En tout cas, le match n'est pas, vous l'aviez dit, le match n'est pas facile pour Connors, qui fait beaucoup de fautes, il est vrai. Mais c'est tout de même Gildemeister qui mène donc par 4 jeux à 3 dans le premier set. Ouais.
40 ans. Avantage Connors. Quatre jeux partout, première manche. On peut dire jeu Connors, mais il a été en difficulté. Il a été plus qu'en difficulté, puisque sur son service, Guildenmaster menait 40-0. Je dois dire qu'il est revenu avec beaucoup d'énergie et beaucoup de courage, et un tout petit peu avec la complicité de Guildenmaster, qui a joué trop court. Moyennant quoi, Connors a très bien su en profiter de ses balles courtes, et ça lui permet maintenant de revenir dans ce match alors qu'il était malmené. Connors qui utilise très bien le manque d'abattage de son adversaire. Il joue des balles très croisées et ça met Guildenmaster en grande difficulté. Même par 5 jeux à 4 dans la première manche.
La Connors qui mène 5 jeux à 4, qui est toujours bien placé pour éventuellement gagner cette première manche, mais qui reçoit tout de même une merveilleuse réplique de Gilles de Maester. Mais je ne sais pas si Gilles de Maester pourra tenir longtemps à ce rythme-là. Ben, c'était la question que je me posais justement. Il y a de cela quelques années, on avait vu un match remarquable sur son central où Gilles de Maester avait été éliminé par des crampes. Cette année, il semble tout de même en meilleure condition, notamment au cours du tour précédent. Il a éliminé, au bout de plus de 4 heures de jeu, il a éliminé Ramirez 18 au 5e set après un match d'une grande qualité. Et en fin de match, il était présent et frais. Mais il faut dire que Ramirez ne donnait pas la vitesse au match que est en train de donner Connors en ce moment. Oui, je crois qu'il est bon également de rappeler que Hans Gildemeister, le Chilien, fait des progrès d'année en année et que maintenant il se trouve tout de même classé à la 14e place du classement mondial, ce qui est très bon pour lui et ce qui est la preuve que Gildemeister a fait bon nombre de résultats depuis le début de cette saison. Voilà, c'est Gildemeister qui va tout faire pour égaliser à 5 jeux partout. Elle est faute, oui. Et balle de premier set pour Jimmy Connors. Une balle de premier set pour rien, complètement gâchée par Jimmy Connors. Jeu et première manche, Connors,
6 jeux à 4. Ah oui, Connors qui impose un rythme difficile à suivre, qui maintient bien la pression sur Gildemeister. Il a senti, Connors, que ce Chilien pouvait être dangereux. Vous avez vu Pierre, il va la chercher quand la raquette a une main, hein, quand la balle est trop loin. Il est très loin de la balle, il faut dire que 30-15. Connors lui impose un droite-gauche extrêmement sévère en ce moment. Connors, un jeu seconde manche. Oui, c'est du grand Connors, le Connors tel qu'on le connaît, tel qu'on l'aime. Connors qui s'envole actuellement après avoir été menacé. Il n'y a plus qu'un homme sur le terrain. On le voit ici servir et voyez à quel point il va chercher sa balle haute, toujours en extension et toujours avec une mobilité, un placement de balle et en train d'attaquer. Vous voyez cette espèce de saut en arrière qu'il fait en attaquant sa balle. On le voit ici aller se placer et sauter encore. Cette fois, il se propulse légèrement vers l'avant. Et sur cette balle un petit peu courte, là encore, il tape sa balle en tirant un peu à la manière d'un golfeur sur ses deux mains, sur ce revers. Là encore, il est repoussé au fond, il saute en arrière. Ce jeu de jambes est vraiment spectaculaire. Et pendant ce temps-là, on ne voit pas Gildemeister qui, quant à lui, est en train de faire des droites gauches extrêmement sévères. Là, une balle qui a été coupée, prise par-dessous par Connors. Et de nouveau, un revers coupé. Vous voyez, il peut jouer ce revers qu'il met dans le filet. Il peut jouer lifté et coupé. Une grande variété de jeux chez Connors. Oui, vous avez raison. Il a parfois un geste de golfeur, ce qui ne va pas faciliter la tâche de Christian Duxin, le directeur du tournoi. Ceci est pour l'anecdote, qui doit, après le tournoi, précisément, jouer au golf avec Jimmy Connors. Thank you.
30 Sarah. Premier set. Le Meister qui secoue la balle et qui doit entendre un petit bruit. Avantage Connors. Avantage Connors. Bien, tout cela confirme assez bien que Connor s'améliore encore au fil des tours et des matchs et des jeux et qu'il commence à être bien dans le rythme d'un grand tournoi. Hein. Et Gilles Demesser, pour sa part, après avoir mené 4-3-40-0, est vraiment maintenant tombé dans une espèce de somnolence. Il ne fait plus grand chose, il fait des fautes, il n'arrive plus à garder à distance son adversaire et surtout il joue court, ce qui lui rend la partie à lui très difficile et à Connors relativement facile. Prends.
Trois avantages de gâcher là par Guildemeister, notamment se plaçant mal. Il est très lent sur les jambes en retour de service, Guildemeister. Thank you.
avantage Connors. Oui, trois jeux à rien pour Connors. Et Gil de Maes, l'impression d'un homme qui semble gagné par la fatigue. Oui, il a l'impression de se battre moins. Je dis bien l'impression. Il donne l'impression car je suis persuadé qu'il se bat. Mais actuellement, il est très statique. Il ne fait pas grand-chose. Les fois où il a voulu faire des coups gagnants, il est obligé de prendre des risques considérables. Il fait des erreurs grossières. Naturellement, ce qu'il guette, et c'est là où il est le meilleur, c'est son adversaire au filet pour le passer. Il l'a fait quelques fois, mais il faut dire que Connors est bien averti. Il n'y monte que prudemment. Je trouve que Gil de Maes joue court. Peut-être est-ce pour attirer son adversaire au filet, mais il joue un jeu très dangereux alors que Connors est en pleine confiance. Il a le vent en poupe. En fait, il joue surtout un peu Gil de Maes d'une manière épisodique. Il joue par sursaut. On a l'impression que de temps en temps, il balance une balle et puis après, il attaque. Oui, il joue par un coup. Il ne va pas vraiment dans la partie alors qu'aujourd'hui, il devrait jouer la partie de sa vie. Car a priori, bien que nous le voyons dominer ici, il a sa chance, mais il ne la dispute pas avec autant d'intensité qu'on le voudrait. Il se bat certainement, mais il se bat mal. Oui, mais je crois qu'il faut rappeler, vous l'avez fait tout à l'heure, le match éprouvant qu'il a joué contre Raoul Ramirez en 5-7, gagné par Gil de Maes, 10 jeux à 8 au 5e set. Elle est faute. Eh oui, elle est faute. Là, Gil de Maes. D'ailleurs, il ne la discute pas. 30-40. Voilà, il prend un peu le temps de récupération car il n'avait pas tellement l'intention de discuter cette balle. Et lorsqu'il a entendu le public bouger, manifester un petit peu, ben, Gil de Maes en profite. Alors que l'arbitre de chaise vient confirmer.
Konov, 4-0 seconde manche. Geste là de Gildemeister qui jette une balle, s'il vous plaît, pas d'une manière agressive, mais un peu en direction de l'arbitre. Oui, Gildemeister avait bien servi, mais là il a reçu un retour de service superbe de Connors qui mène maintenant 4 jeux à rien, deuxième set, après avoir gagné la première manche, 6 jeux à 4. Avantage Connors. Oui, il n'y a plus qu'un homme sur le terrain. Et puis on a l'impression, Pierre, que Gildemeister réagit de temps en temps comme ça par sursaut, mais qu'il a l'air tout de même un peu démobilisé et qu'il se dit, bon, aussi longtemps que Connors joue aussi bien, il n'y a rien à faire, mais on sent qu'il le guette tout de même, que si Connors commençait à faire des fautes, eh bien Gildemeister serait présent dans le match. Sans doute, s'il n'était pas débordé comme il l'est, vous voyez, toujours loin de la balle, sans doute il arriverait à revenir. Naturellement, il guette cette défaillance possible, alors que depuis maintenant 8 jeux, c'est lui qui a une défaillance. Il est très statique. Je crois que ce qui est étonnant de constater, c'est à quel point cette technique qu'il a le renferme dans une limite tactique. Il ne peut pas se sortir de ce jeu.
quand on est mené, malmené comme il est actuellement, il devrait pouvoir faire une autre tactique, alors que là, il ne peut faire que des oppositions, il ne peut pas faire service volé ou il ne peut pas varier son jeu. Il subit sans aucune possibilité de réaction. 5 jeux à rien pour Connors dans le deuxième set, lequel Connors a gagné la première manche par 6 jeux à 4. Et deux balles de deuxième set pour Connors. Un seul homme sur le terrain, mais je dois dire que Connors a tout de suite pris son adversaire à la gorge sans lui laisser aucune chance, sans lui laisser, en lui laissant peu d'espoir en tout cas. Oui, mais tout de même, je crois qu'on est déçu, car Gildemeister, s'il est vrai qu'il est a priori moins fort que Connors, est en train de faire une mauvaise, voire une très mauvaise partie. 15-0. Connors qui continue sur sa lancée, un jeu à rien, troisième set. Et de nouveau, je suis déçu du comportement de Gildemeister. Bien sûr, il est malmené, mais je crois que quand on a la chance d'être en quart de finale d'un grand tournoi comme ça, je crois que on fait plus, je dirais on se défonce, alors que là, il fait simplement une partie sans se battre et sans faire intervenir toutes les possibilités qu'il a en lui, parce qu'il en a en fait plus que ce qu'on a pu voir depuis le milieu du premier set.
Oui, Pierre, vous avez raison, mais ça me rappelle un petit peu la partie qu'a joué Tarozzi hier contre Borg. Et Tarozzi n'a rien pu faire non plus. Il a tout essayé et puis il a un peu baissé les bras. Car Connors me fait penser, toutes proportions gardées, n'ont pas le même style de jeu. Connors me fait penser à ce qu'était Borg contre Tarozzi hier. Hein. Oui, mais je ne pense que malgré tout, il n'y a pas la même domination et la même potentielle de domination qu'il y avait hier entre Borg et Connors, qu'il peut y en avoir aujourd'hui entre Connors et Gildermeister. Jeu 2-0 pour Connors. Je crois vraiment, c'est le cas de le dire, on parle souvent qu'un joueur a explosé face à un autre. Je crois que Gildermeister, il a explosé à la fin du premier set, après son match difficile contre Ramirez. Je crois qu'il tient plus la distance. Il faut dire que la cadence qu'impulse Connors est très sévère, très rapide, très tendue, surtout. Il le fait jouer des balles croisées droite-gauche, ce qui lui amène à faire beaucoup, beaucoup de terrain à Gildermeister. Semble accablé là, Gildermeister. Thank you.
Connor. 3-0, troisième match. Jusqu'à Connors qui joue des secondes balles qui en vaudraient bien des premières. Et oui, sur des deuxièmes balles qui sont bien vues d'ailleurs parce qu'il arrive à jouer un coup très décroisé, donc un coup qui éloigne complètement la balle de Guildermaster. Il faut dire que Guildermaster n'est plus du tout dans la partie, il ne l'est plus physiquement, il ne l'est plus moralement. C'est l'ombre de Guildermaster qui plane sur ce court central actuellement. Alors qu'on revoit, il y a un très bon angle, là, j'espère qu'on va revoir ce service pour voir à quel point l'effet, vous voyez, l'effet du service de Guildermaster, c'est intéressant car également ça permet de montrer aux téléspectateurs à quel point le service est efficace et à quel point un service de ce type rend le retour très très difficile. Ce plan était superbe, c'est ce type de plan que les joueurs voient eux-mêmes quand le serveur est en action. On le revoit, je pense. Ici, Guildermaster qui attend le tour. Une balle qui arrive près de la ligne, mais qui a un effet décroisé, qui emporte complètement. Il y a 3 mètres de distance latérale entre l'impact et le point où la balle rebondit la deuxième fois. Voilà, et il faut en remercier notre réalisateur, Jean-Claude Échinger, qui donne ainsi des petites plus à la retransmission de ce match, ainsi que tous les techniciens de la SFP qui travaille à ses côtés. 3 jeux à rien pour Connors, ce troisième manche, un match finalement qui aurait été peut-être facile pour Jimmy Connors. Pas de réaction, Guildermaster. Connors mène par 4-0 dans la troisième manche. Oui, Guildermaster vraiment très fatigué, qui se remet mal de ce match qu'il a dû jouer contre Ramirez. Je vous rappelle le score de ce match contre Raoul Ramirez qui a duré très tard en fin de journée jusqu'à 20h40, 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 10-8. Et Guildermaster a probablement encore mal dans les jambes. Il a mal supporté cette partie qu'il avait gagnée au moral. Et aujourd'hui, il est totalement débordé par Connors qui va servir avec des balles neuves et qui mène 4-0 dans le troisième set. S'il vous plaît. Je connais. Connors mène par 5-0 dans la troisième manche. Un Connors qui mène sa partie à la manière d'un Borg, c'est-à-dire qu'il est impitoyable et qu'il ne laisse aucun point à Guildermaster, il ne lui laisse vraiment aucune chance.
Un Connors qui s'achemine donc vers la demi-finale où il rencontrera Kyriulaitis. C'est un bon match en perspective, un match digne d'une demi-finale dans un tournoi comme celui de Roland-Garros. Bien sûr, le public est toujours un petit peu déçu lorsqu'un match se termine trop tôt à son gré. Mais je crois que ce même public a pu assister en début d'après-midi à un match absolument splendide entre Fibag et Kyriulaitis et qu'ils ont assisté ici à un super Connors qui a été intéressant à voir jouer, surtout pendant le premier set, au cours duquel Guil de Magister a tout de même essayé de faire quelque chose et de lui opposer une certaine résistance. Alors bien sûr, le public encourage toujours le plus faible des deux. Le Maester d'ailleurs qui est peut-être un peu fragile, Pierre, car il avait souffert de crampes, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il avait été obligé d'abandonner, mais on en parlait tout à l'heure. Il est en meilleure condition physique puisque pouvoir faire le match de la durée et de l'intensité qu'il a fait l'autre jour contre Ramirez, ceci voulait dire qu'il avait complètement récupéré physiquement. Pas de chance, double faute 40-30. La deuxième de ce jeu. Avantage Connors, c'est balle de match sur le service du Chilien. Guil de Maester s'adresse directement au public maintenant, que ce même public est un peu déçu de le voir disparaître si vite. S'il vous plaît. Égalité. Avantage Connors. De nouveau balle de match pour Connors.
match, Connors. Un grand Connors, comme il y avait eu un grand Borg contre Tarozzi. Revoyons la balle de match, la deuxième. Avec ce style particulier, toujours de revers, de Gildemeister qui là va mettre un revers dans le couloir. Voilà, et je crois que Jean-Claude Audin est en place pour essayer d'interviewer Jimmy Connors. Jimmy Connors. Just one minute, sir. Please, Jimmy Connors. Just there, please. Just there for the light. Thank you. Oui, Christian Kidé, j'ai Jimmy Connors auprès de moi et je lui pose tout de suite la question après une victoire écrasante. Comment vous sentez-vous, Jimmy Connors? Jimmy, how do you feel after such an easy victory? Well, you never expect it to be like that. You go out and you try to hit the ball the best you can, and I started out hitting the ball okay. He started out playing very well, actually, and then after a couple of games where I started hitting the ball better, and I don't know what happened to him. I think he kind of let up a little bit and then couldn't find his rhythm back. On s'attend pas toujours à que ce soit une victoire aussi facile. Nous avons commencé tous les deux à jouer bien, et puis moi j'ai continué à bien jouer, et lui, eh ben, je sais pas ce qui lui est arrivé. Oui, il ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé, parce que dans la première manche, il y avait une bonne opposition, et ensuite une victoire finalement trop facile, 6-0, 6-0. Yeah. La chaleur peut-être? Do you think maybe it was the heat on his half that made him? Ou un match trop difficile contre Ramirez? Or was it perhaps the Ramirez match? Maybe a little bit of both, but you know, every day is a new day. That's the great thing about this game. You got to come out, you got to play your best every day, and I played well. I don't think he played quite so well today, and then after a while maybe he got a little discouraged. Lui, il n'a pas joué du tout aussi bien et il croit que c'est peut-être une combination du fait qu'il était fatigué après le match de Ramirez et la chaleur. Et maintenant, plus le tournoi avance, plus il se sent. Il va rencontrer Gary Lettis pour la demi-finale. Qu'est-ce qu'il en pense? Gary Lettis est un adversaire facile pour lui. You're getting better and better, it seems, the tournament goes ahead. You're going to meet Gary Lettis in the next round. What do you feel about that match? Well, I am playing better as we go along, but you know, like I said, every day is a new day. I just hope that the next match I play, I can hit the ball as well as I was hitting the ball out there. Il dit que chaque jour est différent et qu'il espère que demain il pourra jouer aussi bien qu'il l'a fait aujourd'hui. Voilà Christian Kidé, Jimmy Connors vous a quitté. Je crois qu'il passe à la salle de conférence pour les interviews. À vous Christian, à vous le central. Merci Jean-Claude Audin et on remercie une fois de plus Jimmy Connors d'avoir accepté de répondre à chaud à vos questions. Jimmy Connors qui a l'air maintenant très bien, sûr de lui, parfaitement lucide, qui a eu un petit mot aimable pour son adversaire. Gildemeister que nous voyons, revoyons de dos. Bien sûr, c'était la balle de match. Jimmy Connors qui a l'air de confirmer qu'il se sent de mieux en mieux dans ce tournoi, mais il a eu l'air de dire aussi qu'un jour on est bien, un jour on n'est pas bien, voulant d'ailleurs en cela excuser la mauvaise partie de Gildemeister. Et oui, je crois qu'aussi il voulait surtout dire que chaque jour est difficile et que bien, il était content d'avoir bien joué aujourd'hui, mais que tout devait être mis chaque fois en question et ça sera